Et bien salut tout le monde, c'est PodGamer172, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 34 de notre Let's Play. C'est parti! Dans l'épisode 33, on avait fait tout simplement ceci, donc l'enclos. On va le terminer aujourd'hui, enfin on va plutôt bien avancer, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Et du coup, bah c'est parti, on va commencer, on va aller récupérer le sable que j'ai sûrement dans les coffres là-bas, je ne sais pas du tout. On va aller récupérer ça. On avait notre lama aussi. Est-ce que je lui avais donné un nom? Non, dites-moi encore le nom que vous voulez que je lui donne dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner son nom. Du coup, ce qu'on va faire, c'est hop, ici. Est-ce que j'ai du sable dans ces coffres-ci? Ne me semble pas. On a pas mal de bois. Je vais le prendre quand même, on sait jamais. J'ai été chercher du bois aussi. Ok, je vais transformer ça. Ok. Est-ce que j'ai vérifié les deux coffres? Ici, on a du sable, ok. Ici, on a du sable. Est-ce qu'on a du sable dans notre maison? On va tout simplement voir. Ici, c'était le truc pour les armures, évidemment. Bon, on n'a pas besoin d'être en armure. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Voilà. On va mettre le casque, le plastron, le pantalon, comme ceci, et les bottes. Et comme ça, quand on voudra, on viendra ici pour se le mettre. On mettra l'armure. Si c'était tout ce qui était enchant, on va voir si on a du sable. J'espère qu'on en a. Je sais pas du tout où j'ai rangé tout ça. Hein. Ça fait longtemps que... Ici, c'était quoi? Ouais, c'était l'andésite qu'il fallait mettre aussi sur le sol. On va faire ça aussi, on va plutôt bien avancer. Donc ici c'est tout ce qui est stone. Ok. Ouais, non. Il n'y a pas l'air d'avoir du sable. Ok, non. Et ici dans les coffres, il me semble que peut-être que j'avais mis du sable. Non. D'accord, on n'a pas de sable. On va prendre l'andésite tout simplement pour combler les trous. Il faudrait qu'on... faudrait que je prenne du sable aussi. Ok, qu'est-ce que je fais? Ok, d'accord. Carrément bugué. Je mélange des touches de Fortnite et de Minecraft. Ça bug. Du coup, ça, on l'avait fait à Noël 2017. Faudrait que je mette un panneau. Comme ça, on s'en souvient. Hop. Donc, on avait fait déjà Halloween 2016. Maintenant, hop, c'est parfait. Ici, ce qu'on va faire, on va continuer. On va continuer tout ça. L'andésite. On va déjà faire l'andésite sur le sol. Hop, hop. Comme ceci. Comme ceci. Ok, comme cela, voilà. Hop, hop, hop. Hop. Et hop. Voilà, on va mélanger avec de la cobble, de l'andésite. Hop. Pareil pour ici. Hop, de l'andésite. Donc ça fait plutôt stylé. Ça fait plutôt un beau chemin. Dans tous les trous ici que j'ai laissé, c'était pour l'andésite. Hop. Et hop, voilà. On place de l'andésite partout. Il faudra qu'on aille en miner. Parce que ça part vite en fait. Et hop, cobble, cobble. Ok, parfait. Donc ça c'est fait, ça c'est bon. Là le coffre ici, j'ai mis tout ce qui me permet de ranger, bien évidemment. On va continuer avec le sable. Donc on va continuer vers ce côté-ci. On va mettre du sable ici. Ça on va mettre donc du sable, du sable. Du sable ici. Ça, on va monter comme ceci. Voilà. On va laisser par exemple une fenêtre ici. Ça, ici, on monte, on monte. On monte. Pareil, pareil. Pareil. Une fenêtre ici. Comme ça, on a de l'espace. Là, on va monter. Là aussi, là aussi, là aussi. Et là, il nous en manque. On va décaler ça ici. Comme ça, on a une autre fenêtre sur le côté. Ici, comme ça on aura une autre fenêtre. Ouais. On va décaler un peu tout ça. Et comme ça on aura une plus grosse fenêtre ici sur de chaque côté en fait. Comme ça on voit bien l'enclos tout simplement. Alors ici, du sable. Hop. Sur les côtés. Voilà, ça commence à s'améliorer. Ça commence bien à s'améliorer dans le coffre. Est-ce que j'avais du bois, du chêne noir? On en a ici. C'est parfait. Et ça, on va faire comme ceci. Voilà. Du coup, hop, hop, hop. Hop, et ici aussi, comme ça, on aura une plus grande fenêtre. On va prendre les barrières. Donc, j'ai fait des clôtures en bouleau. On va prendre le bois ici. Hop, hop. Comme ça, on va déjà délimiter, hop, les côtés. Voilà.
Plutôt parfait, plutôt nice. On va, hop, mettre les barrières. Pour éviter que les tortues s'enfouillent un peu. Bon, c'est un peu plus pour la décoration aussi. Mais on va éviter qu'elles s'enfuient tout de même. Ici. Comment on pourrait faire? On va mettre des barrières comme ceci. Ouais. On va mettre des barrières comme ceci. J'ai plutôt une bonne idée. Vous allez voir juste après. Hop, hop, hop. Voilà. Pareil pour ici. Vous voyez, comme ça, elles se rejoignent. Bon, je n'ai pas des masses pour le moment. Hop, hop. Ça casse. Voilà. Hop. Comment... Je vais remonter par... Ouais. Bon, c'est un peu plus compliqué à s'en sortir ici. Attendez. On va déjà mettre des barrières, par exemple. Ici, je vais monter avec de la terre, hein, ça va aller plus vite. Hop, comme ça, les barrières. Ici, voilà. Hop, 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 hop. Ici, on va les rejoindre. Comme ça, ça fait déjà les belles entrées. Pareil, ici, voilà. Donc, on commence déjà à avoir quelque chose de plutôt pas mal, moi, je trouve. On commence déjà à avoir un assez gros enclos pour les tortues. Ici, on devrait mettre encore tout simplement de l'eau. Est-ce qu'on ferait pas une cascade qui partirait d'ici? Ce serait plutôt bien. On va tenter un truc. Donc il faut que j'aille chercher du sable. Du coup, il y en a là-bas. On va aller chercher ça. Et ensuite, il faudra qu'on trouve des tortues aussi. Et ça, ce serait plutôt pas mal. Hop, on va prendre pas mal de sable. Donc dites-moi aussi le nom du lama. Donc ce que vous voulez mettre comme nom. Ce serait plutôt sympathique. Moi, j'avais pensé de mettre, je ne sais pas. À vous de décider. Dites-moi ça dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à lâcher votre pouce bleu, à lâcher un like, hop, et un commentaire avec ce que vous voulez, si jamais vous aimez cette série. Hop. Bon, ici ça va finir moche, mais bon, on est un peu obligé de prendre du sable. Je me demande, il y a toujours cette chauve-souris là en l'air. Qu'est-ce qu'elle fait là? Il doit y avoir une grotte quelque part. Ok, ici on arrive sur du gravier. Hop. Ok, je pense qu'on en a assez. On va retourner là-bas. Parfait, c'est parti. On va retourner là-bas. Et on va continuer notre petit petit enclos. C'est parfait, donc ça prend forme. Ici sur les rebords, vous allez voir ce qu'on mettra. On mettra des petits trucs. Il me semble que j'en ai. Est-ce qu'on mettra des dalles comme ceci? Est-ce que ça va fonctionner si on met des dalles de ce style? C'est plutôt beau. Des dalles en stone. C'est plutôt beau. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal. On va faire ça. Et on va faire ça tout le long. On mettra des vitres. Ok. Ok, j'ai une bonne idée. Donc il pleut. Malheureusement. Ici. Comme je vous l'ai dit, petite cascade. Comment on pourrait faire ça? Vu que c'est du sable, on va mettre ça au-dessus, comme ça. Voilà. On va mettre du sable un peu autour. Comme ceci. Est-ce que ça fonctionne? On va essayer. On va tenter de faire un petit truc assez joli. Prendre nos seaux d'eau. Voilà. Un. Hop. Hop. Si je fais ça. Et c'est juste pour avoir un petit courant d'eau. Ouais, voilà, c'est plutôt pas mal. On va juste se reboucher par-dessus, évidemment. Comme ceci, voilà, avec un peu de terre. Voilà. Plutôt parfait. J'espère que... On va mettre de la terre ici aussi. Sur le côté ici. Pour qu'elle monte et que ça remplisse ici avec de l'herbe, hein, bien évidemment. Sinon, ce serait très très moche. Ici, on va remettre du sable. Hop. Ici, on va laisser comme ça, mais on va, hop, creuser et en mettre, comme ceci, voilà. Pareil, pour de l'autre côté, hop, bon ici, je pense qu'on pourra en mettre au-dessus, voilà, un peu sur les côtés. Ici, on va remplir avec du sable et on va laisser un petit trou d'herbe, comme ceci, voilà. Et pareil, ici, voilà, je pense que ce sera... plutôt parfait pour le sable. On va encore un peu combler l'autre côté. Hop. Hop. Voilà.
Ça, on peut enlever. Voilà, voilà. Bon, ici... Ah ouais, ici, il fallait de l'herbe, ici. Ok. Bon, ici, il fallait que ça pousse. Du coup, on va laisser ça comme ça. On va mettre ici du sable. Comme ça. Ok, la pelle aussi morte. Voilà. De toute façon, on a fini avec le sable. On va mettre du sable ici, comme ceci. Voilà. Voilà. C'est plutôt parfait, comme ça. Ici, on va un peu remplir. Pareil, ici. Comme ceci. Voilà. Ici, c'est l'entrée, du coup, on va pas trop mettre. Mais on va mettre plutôt comme ça. C'est plutôt bien. Voilà, des petits... Voilà, des petits rebords, etc. pour que les tortues montent aux fenêtres. On va quand même mettre du sable ici, comme ça les tortues montent aux fenêtres. C'est plutôt parfait, comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. On va aller chercher... est-ce que je vais voir si j'ai du bois de bouleau. Comme ça, on fait tout simplement... On va faire des sticks. Les barrières en bois de bouleau. Hop. Voilà, ici, on a des sticks. On va les mettre là-bas. On va aller voir là-bas dans les coffres. Et je vais vous dire tout ça. C'est parfait. On y va. Ok, alors, pas de bois de bouleau ici, on va mettre juste le panneau, on a les clôtures ici, est-ce que j'ai pas de bois de bouleau, d'accord, ok c'est pas grave, on a pris le panneau par contre, on va mettre le panneau ici à l'arbre, et on va dire que c'est, hop, Noël, comme ceci, Noël 2017, ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des vitres, donc je vais prendre les vitres, logiquement j'en ai dans les coffres, et ensuite on va finir l'épisode sur ça, sur les vitres, et on continuera le prochain épisode, donc on fera à peu près 3 épisodes, hein. On ira chercher les tortues, et l'épisode sera un peu plus long, vu que sûrement qu'on va galérer à chercher les tortues, j'espère que j'ai des vitres, on va surtout prendre la canne à sucre aussi que j'avais vu, qu'on aura besoin, tout simplement on va dormir aussi, voilà voilà, et on va prendre la canne à sucre et Est-ce que... Ok. Ici, s'il y a des gouttes, c'est qu'il pleut. Il n'y a plus de gouttes. Et si c'est le beacon, donc il faut toujours faire ce beacon. J'ai pas de... Ok, bon, j'ai pas de vitre. Mais j'ai de la canne à sucre. On va en prendre plus ou moins 12, voilà. Ici, est-ce que j'ai quelque chose? Non. Mais j'ai du sable. Donc on va aller vite fait à la fonderie, faire ça et faire des vitres. Et le temps qu'on fasse ça, on va mettre de la canne à sucre et on reviendra pour mettre les vitres. Et ce sera à la fin de cet épisode 34. On a fait pas mal d'épisodes sur ce let's play. Est-ce que j'ai du charbon? J'ai du charbon. On va mettre ça... Par exemple... Ici, on va mettre... un. Ça, bon, ça on peut supprimer ici. On va mettre... Hop. Du sable. Alors, attendez, je galère un peu. Hop, du sable ici, voilà. On va mettre ça avec du charbon. On va prendre 1, 2, 3. Comme ça, parfait. On va prendre la moitié, on va faire cuire ça. On va mettre 2 charbons. Voilà, comme ceci. C'est parfait. On va aller mettre la canne à sucre et on reviendra pour prendre les vitres. Pour les mettre aux enclos. Enfin à l'enclos hein. Vous voyez que ça prend forme, on a quand même quelques bâtiments qui sont vraiment pas mal. Je vais devoir faire encore quelques petites maisons comme ça sur les côtés. Du style ici, du truc genre ici. On va faire ça juste après aussi, dans l'épisode 35. Du coup voilà, on va mettre la canne à sucre près du bord. Elle devrait pousser. On va en mettre ici. Voilà. Comme ceci pour combler un peu. Ça m'a l'air plutôt pas mal. L'enclos commence à prendre forme. Je vais voir si j'ai des os de squelette. Je pense que j'en ai vu. Et comme ça on va porter de la bonne mine. Bonne mine. J'ai des vitres ici, d'accord. J'avais des vitres ici, il me semblait bien que je les avais vues. Du coup on va les placer. Hop, hop. Voilà. Bon c'est pas ce qui est le plus esthétique. Mais pour un petit enclos comme ça dans la nature on va dire. Hop, on n'a pas besoin de faire un truc vraiment carré. Est très très grand. Hop, donc j'ai des vitres, donc pas besoin d'aller en faire cuire là-bas. Je vais vite aller les chercher, sinon, hop, on a fait ça pour rien. Hop, du sable, voilà. C'est parti, on va vite courir. Donc j'avais fait des vitres pour tout simplement l'usine à blé. Hop, on va arrêter ça et on va retourner là-bas pour se dire au revoir pour cette fin d'épisode 34. Donc les épisodes sont assez courts, bien évidemment, mais c'est pour que ce soit
assez rapide. Hop, redonne-moi ça. Voilà, pas besoin. On va laisser ça. Non, ça reprend. C'est ça et ça. Voilà. Donc ça commence à prendre forme. Je suis plutôt content, plutôt satisfait. Du coup, là, on avait notre cheval qui s'appelait iPod Horse. Voilà. Il y a Steel Horse et il y a iPod Horse. Ici, on avait notre petite maison assez sympathique pour ceux qui peut-être rejoindront le Let's Play des YouTubeurs, etc. Du coup, ça, c'est plutôt parfait. Ici, on va refermer. C'est très très moche. Pareil ici, c'était pour l'éclairage. Mais on va refermer. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui serait pas mal, c'est de faire un bouton avec l'éclairage. Donc ça, on fera ça. L'éclairage, mettre des éclairages en dessous. Ouais, ça, on fera ça. Donc il y aura peut-être 4, 4-5 épisodes, ou 3-4 épisodes sur l'enclos. En tout cas, on a bien avancé par rapport à l'épisode d'avant. C'est parfait. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était iPod Gamer 172. Allez, bye tout le monde. Ciao!